Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer la fonction variation de teinte dans le dernier photofiltre studio. Alors pour cela, j'ai pris un petit tube que j'ai auparavant choisi des zones pour pouvoir changer la couleur. Alors pour aller chercher la variation de teinte, vous ferez filtre, couleur, variation de teinte. Vous avez donc ici la palette de couleurs et vous avez deux méthodes. Donc la méthode 1, c'est vous colorisez les zones. Alors je vais faire OK. Vous voyez que j'ai colorisé mon bleu en marron foncé par rapport à la couleur que j'ai sélectionnée. Si je fais une petite marche arrière, je refais filtre, couleur, variation de teinte. Et si je mets en méthode 2, teinte, déjà à l'aperçu, vous voyez que la couleur est beaucoup plus claire. J'ai teinté le bleu et non colorisé. Alors j'espère que cette petite astuce pour la fonction variation de teinte vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.